Pâques avec nous. Et nous remercions vivement notre partenaire Esmort, cette troisième édition. Et remercier le temps, la patience, tout l'effort de notre jury. C'est très important. À l'international, c'est aussi une spécialisation sur laquelle nous avons aussi une image évidemment importante. Moi, j'ai travaillé avec la grande Sonia Michel et la maille, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des collections des plus grands designers. Et merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à Pompéo vraiment pour ce concours aussi, pour mon vœu pérenne et pour tout ce que vous apportez aussi dans ce concours à l'UNIC. The third prize goes to Stina Sonnenberg. Alpaca, it has a social impact, environmental impact, so it's very important that they use the storytelling inside their design and not just get the design. So for me it was a wonderful experience to see the collections, to learn about alpaca. J'étais ravie de découvrir l'héritage réinterprété par des étudiants français et internationaux qui donneront un nouveau souffle en fait à tout l'héritage péruvien, l'ADN, l'authenticité que le pays a exporté. C'est une super opportunité et honnêtement ça a été une expérience pour moi super enrichissante parce que c'est la première fois que je travaille de la maille et surtout de l'alpaga. Et je trouve que pour un designer, ça vous ouvre tellement l'esprit sur un processus de création avec une possibilité infinie. Et c'était juste une expérience incroyable, travailler avec un matériau qui coûte énormément d'argent parce que tricoter déjà ça coûte cher, mais tricoter en plus avec de la laine aussi riche, ça coûte encore plus cher. Et c'est vraiment une chance pour nous à Esmort de participer à ce concours-là parce qu'on peut laisser notre créativité aller avec des matériaux qui sont juste incroyables.